Bonjour à tous, c'est Anthony. Bonjour Thibault, donc on est les gérants de CAPA, un centre d'activité physique adaptée, comme on vous l'a déjà dit. Aujourd'hui, dans cette séance, toujours en partenariat avec Été Indien, ça va se dérouler de façon un petit peu spéciale parce qu'on va prendre un temps pour répondre aux questions que vous avez pu poser à Été Indien sur leur site internet ou sur leur page Facebook. Donc on va prendre 10 minutes à quart d'heure pour répondre à ces questions-là. Et ensuite, on vous fera une séance plus courte, une dizaine de minutes, pour que vous puissiez reproduire cette séance-là, ce petit circuit d'une dizaine de minutes, 3 à 4 fois dans la journée. L'idée, c'est, en ce temps de confinement, de fractionner votre temps de pratique et de ne pas faire 1h30 ou 2 heures de sport d'affilée. L'idée qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un petit circuit d'une dizaine de minutes que vous pourrez reproduire 2 à 3 fois dans la journée, matin ou après-midi, on s'en fiche, on vous expliquera, mais voilà. Pour commencer, on va donc répondre à vos questions qui ont été nombreuses et on va commencer par la question de Michel Damien dans la Somme qui nous demande « Je n'ai pas de jardin, donc pas facile pour moi de bouger. À votre avis, combien de temps dois-je faire des exercices de gym par jour pour être en bonne santé ?» Alors ça, c'est une bonne question, Michel. On entend souvent parler de 30 minutes minimum d'activité physique par jour, donc ça c'est vrai. Alors attention, quand on entend 30 minutes d'activité physique par jour, ça ne veut pas forcément dire de la gym. L'activité physique, ça comprend plein de choses. Le sport, donc la gymnastique, ça peut être tout simplement de la marche, ça peut être du bricolage, du jardinage, enfin vraiment tout ce qui va faire que vous n'êtes pas en état de repos, tout simplement. Pour en ce moment, en fait, l'idée c'est de faire des exercices de gym qui vont de 30 minutes à 45 minutes maximum. C'est déjà pas mal, en plus de votre activité physique quotidienne. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas, vous allez devoir faire le ménage à un quart d'heure aujourd'hui, vous allez rajouter 30 minutes, voire 3 quarts d'heure de gymnastique. Donc là, votre activité physique sera aux alentours d'une heure, donc c'est déjà pas mal. On sait que quotidiennement, il faut marcher au moins 10 000 pas. 10 000 pas, ça représente 7 km. 7 km, on les fait généralement à vitesse de croisière en 1h30. Donc ça, vous voyez, ça commence un peu à coller. L'idée, c'est de rester actif 1h30, au moins 1h30 dans la journée. Donc la gymnastique, si on inclut toutes les autres activités physiques à côté, il faut prendre entre 30 et 45 minutes, ouais, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez aller jusqu'à 1 heure, allez jusqu'à 1 heure, mais là ça commence déjà à faire pas mal. Ouais. Donc voilà, tout simplement. Ça, ce sont les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui demande, comme on vous le disait avant, de fractionner nos temps de pratique et de ne pas faire comme on pouvait faire avant. 1 heure ou 1h30 d'activité physique sans arrêter. L'idée en ce moment, c'est de faire certes un petit peu chaque jour, mais en découpant les séances comme on vous l'a dit et comme on vous montrera tout à l'heure. Donc on va passer à la deuxième question. La deuxième question de Françoise qui habite à Verdun dans la Meuse. Donc sa question c'est « Comment faire pendant le confinement pour approcher mon objectif de 10 000 pas par jour ?» Ben, voilà, on en parlait justement. On en parlait à la question précédente et on ne s'est pas étalé volontairement. Les 10 000 pas par jour, c'est conseillé pour être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est solliciter notre système cardiovasculaire sur des activités entre guillemets longues. Longues, c'est d'au moins 20-30 minutes et qui peuvent durer jusqu'à 1 heure. Donc quand vous aviez l'habitude de marcher et de faire ces 10 000 pas par jour, là c'est très compliqué, sauf si vous avez un tapis de marche chez vous. La question qui peut se poser, c'est « j'ai un vélo, est-ce que ça peut remplacer ?» Bien sûr que ça peut remplacer, ça a exactement les mêmes effets sur votre système cardiovasculaire, donc vous pouvez très bien remplacer la marche que vous faisiez par du vélo d'appartement, du rameur ou du vélo elliptique, peu importe, en fonction de l'appareil que vous pouvez posséder. Si vous n'avez pas ces deux appareils-là, nous ce qu'on veut, et c'est un peu l'objectif c'est l'entier objectif des vidéos qu'on vous fait faire, c'est de vous proposer une alternative par des séances d'activité physique, autrement dit de la gymnastique, et c'est ce qu'on vous propose avec Été Indien. Ces séances, il faut que vous les réalisiez dans l'idéal un petit peu tous les jours, soit en fractionnant, soit en faisant une demi-heure, mais un petit peu tous les jours, et par le biais des vidéos qu'on peut vous proposer, je pense que c'est possible même si vous réalisez plusieurs fois la même séance. Si c'est vraiment la marche qui vous manque, vous pouvez toujours profiter de l'heure de balade qui est accordée en cette période de confinement dans un rayon d'un kilomètre de chez vous, quitte à faire plusieurs fois le même tour. Tant que ça dure 1 heure, on reste dans les clous et c'est tout aussi bon pour votre santé. Et puis on peut toujours faire de la marche chez soi si vous avez un grand jardin, il y en a qui en ont la chance, donc oui, on peut en profiter. Si vous avez rien qu'un escalier ou une marche d'escalier, il y a également des exercices à faire pour solliciter correctement votre système cardiovasculaire. On trouve beaucoup d'exercices sur internet qui permettent de travailler ça, de faire de la marche sur place, des petites montées-descentes. On vous l'expliquera dans la question numéro 7 qui est posée par l'un d'entre vous également, qui nous pose une question sur le fait d'utiliser ses propres escaliers. Voilà. Question numéro 3 de Thierry qui vient de Seine-Saint-Denis à Villepinte et qui nous demande quel est le meilleur moment de la journée pour faire ces exercices de sport. La réponse est il n'y a pas d'heure en fait, il n'y a pas d'heure. Alors évitez tout simplement de le faire le soir parce que le soir, pourquoi le soir? Parce que le soir, le corps a besoin de se refroidir pour pouvoir décompresser, relâcher, pour s'orienter vraiment vers le coucher, vers le sommeil. Donc il a besoin de baisser en température. Si vous faites du sport, derrière, la logique veut que voilà, vous allez augmenter votre température, vous allez commencer à transpirer, vous allez retarder, vous allez reculer, repousser l'heure du sommeil en fait. Donc ça va pas, vous n'allez pas très bien dormir après. L'idée c'est voilà, à partir de 19h, éviter de faire des activités physiques. Sinon avant, c'est un petit peu quand vous voulez en fait. Le meilleur moment, j'ai envie de dire, c'est quand vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, me dire oh, bah non, je vais le faire maintenant. C'est vraiment par rapport à votre ressenti. Alors, la question 4, pour la question 4 de Christian à Bruxelles, en Belgique. Quels sont les étirements que je peux faire sans danger pour entretenir ma souplesse? Alors, déjà, il faut qu'on sache ce que c'est qu'un étirement pour tous ceux qui ne savent pas. Tous les étirements qu'on fait, ils doivent se faire dans une position qui nous est confortable. C'est-à-dire que si on étire les quadriceps, comme on a pu vous le montrer dans la séance précédente, où on doit s'attraper le pied pour fléchir énormément le genou, pour étirer l'avant de la cuisse. Ceux qui ont des prothèses de genoux qui ne peuvent pas fléchir le genou, bien sûr, vous ne le faites pas. Il faut toujours peser la balance bénéfice-risque. Donc, il ne faut pas que ça déclenche de douleurs anormales et il faut les réaliser en respirant profondément, utiliser les étirements comme un temps de calme et un temps qu'on utilise pour soi. Le plus important, ça serait les étirements pour étirer les jambes, principalement toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière des cuisses et le bas du dos, parce que c'est principalement là où on a des limitations et où on a besoin d'être plus souple. Ça ne nous empêche pas d'étirer le haut du corps, pardon, bien entendu, mais nous, ce qu'on préconise, c'est de commencer par des étirements du bas du corps. Pour gagner en souplesse, il est nécessaire de faire ces étirements et de prendre une petite trentaine de secondes à chaque fois sur chaque mouvement. Donc vous avez pu en voir sur les séances précédentes. À la fin des séances, on utilisait un petit temps pour vous montrer 2 ou 3 mouvements d'étirement. On vous renvoie vers ces séances-là. Donc on étirait les mollets, les cuisses, le bas du dos en même temps que l'arrière des cuisses. Voilà, c'est plein de petites postures. Ces postures-là, nous, on vous conseille de les maintenir les 20 à 30 secondes sans bouger. Vous ne faites surtout pas d'à-coups. Pourquoi 20 secondes au moins? Parce qu'il faut que le muscle ait le temps de se relâcher. Un muscle qui vient de travailler, il s'est contracté, relâché, contracté, relâché. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il se relâche complètement pour reprendre sa forme initiale. Donc, il faut au moins y aller 20 secondes pour qu'il se remette en place et que ça soit bénéfique à long terme. Et surtout, ne pas faire d'à-coups comme on pourrait voir chez certaines personnes dans la rue qui s'étirent. C'est-à-dire, ils s'étirent les mollets et ils font des à-coups parce qu'ils croient que ça va mieux étirer leur muscle. Non, un muscle, c'est comme un élastique. Si on tire plein de fois dessus, ça peut péter et là, non, il faut éviter parce que ça fait mal. Donc il ne faut pas faire ça. Le meilleur moment de la journée pour travailler sa souplesse ou pour faire des étirements. Alors, si c'est des étirements derrière une séance, vous pouvez les faire directement ou 1 heure ou 2 heures après, ça ne dérange pas. Si vous voulez vraiment faire des étirements, du stretching pour gagner en souplesse, le meilleur moment, c'est le matin à la fraîche et vous vous consacrez, allez, une dizaine de minutes pour faire quelques étirements. Ça permet un réveil musculaire, ça stimule la circulation sanguine, ça lance la journée, ça donne du peps pour la journée. Et pour toutes les personnes qui en seraient touchées ou qui en seraient à risque, ça prévient les risques d'arthrose et d'autres effets liés au vieillissement, d'autres problèmes ostéo-articulaires qui pourraient nous toucher quand on vieillit. Parce qu'on vieillit tous un petit peu, forcément. Voilà pour les étirements. La 5e question, elle provient de Nicole de Verteuil-sur-Charente, donc en Charente. Nicole, elle a le dos fragile et elle nous dit qu'elle aime bien jardiner et bricoler. Elle nous demande comment faire pour ne pas se faire mal quand elle fait son bricolage et son jardinage. Tout simplement, comme on le fait à chaque début de séance avec Thibault, là, un échauffement articulaire d'abord. Donc vous allez chercher à mobiliser un petit peu toutes les articulations. Ensuite, un échauffement peut-être un petit peu plus musculaire qui va solliciter vraiment tous vos muscles. Donc vous avez tous les exercices qui sont déjà faits en séance, vous pouvez les reprendre sans souci. Et puis après, au-delà de ça, il va falloir vraiment faire attention quand justement vous bricolez ou vous jardinez, des mouvements, votre posture en fait, adaptez vraiment votre posture à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, pour le port de charge lourde, si vous devez porter quelque chose de très lourd qui se trouve au sol, utilisez davantage vos jambes que votre dos en pliant les genoux. On va pouvoir aussi adopter des postures, Thibault va vous faire voir justement. Quand on ramasse quelque chose de lourd, en fait, ce qu'il ne faut absolument pas faire pour se faire mal au dos, c'est se pencher en avant. Donc c'est pour ça que très souvent, vous allez entendre quand tu baisses, plie les genoux. Donc c'est vrai, il faut plier les genoux, garder le dos droit, ramasser cet objet et se relever en mettant l'objet proche de soi pour que le dos tac, il reste droit. Mais ça, ça demande un travail des cuisses qui musculairement n'est pas évident, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours le réaliser. Donc après, il y a des parades à trouver, il faut poser les objets plus lourds sur des tables, des tabourets, un établi. Oui, des plans hauts en fait, voilà, c'est ça tout simplement. Et même par exemple, si vous jardinez, si vous avez une jardinière qui est au sol, il suffit simplement de la mettre sur une table, de faire le nécessaire et après de la reposer au sol. N'allez pas vous baisser et rester le dos courbé comme ça pour le faire. Par contre, si vraiment vous avez un parterre de fleurs, vous êtes obligé de le faire au sol, privilégiez toujours plusieurs appuis. Ne restez pas simplement sur les genoux, comme ça, à faire les fleurs. Essayez toujours de poser au moins une main supplémentaire et vous ne travaillez que d'une seule main. Ça va prendre certes plus de temps, mais ça va protéger votre dos, vos articulations, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, si on en reste aux douleurs lombaires, pour tous ceux qui ont des douleurs lombaires, les recommandations c'est quoi? C'est bien de pratiquer une activité physique, alors sauf dans les phases aiguës où vous êtes très algique, où vous avez très mal bien sûr, mais dès que ça va un petit peu mieux, on en a entendu parler avec les pubs de la sécu à la télé, il faut se remettre en mouvement, faire des étirements. Encore une fois, on vous renvoie aux étirements qui peuvent être présents sur le site d'Été Indien ou sur ceux qu'on vous fait en fin de séance à chaque fois. Et puis voilà, s'écouter surtout, les jours où ça va moins bien sûr vous pouvez être plus calme, mais dès que votre corps va mieux et que vous sentez que ça va mieux, il ne faut pas hésiter à se remettre à bouger. Ouais, exactement. Donc on a une autre question de Colette de Bourgoin-Jailleux en Isère. Donc que pouvez-vous me conseiller comme exercice pour garder un ventre plat pendant le confinement? Alors ça c'est une question qu'on entend beaucoup donc sur les pertes de poids, sur la morphologie, l'amincissement. Il ne faut pas se dire que le ventre plat, ça arrive avec un seul exercice, c'est quelque chose de très global et que ça ne dépend pas que de l'activité physique. Là, on vous renvoie vers les diététiciennes et les nutritionnistes qui ont également un rôle à jouer, c'est-à-dire que pour avoir un ventre plat, autrement dit, perdre un peu de poids et affiner sa silhouette, il faut à la fois pratiquer une activité physique de façon régulière, tout en étant en sécurité, et avoir une alimentation équilibrée à côté. L'un sans l'autre, c'est très difficile d'atteindre cet objectif. Tous les exercices de la ceinture abdominale, bien sûr, qui sont conseillés parce que quand on fait des abdos, on va brûler des graisses principalement qui sont autour de ces muscles-là. Donc bien sûr que c'est les exercices qu'il faut privilégier, mais rappelez-vous qu'il faut toujours cumuler avec d'autres choses, avec du cardio ou des activités d'endurance comme de la marche, du vélo, qui sont des activités à forte dépense énergétique. Si on en revient à un exercice en particulier pour reprendre la question, garder un ventre plat, autrement dit, gagner un petit peu en abdominaux et brûler des graisses, il n'y a rien de mieux que le gainage. Le gainage, c'est l'exercice de planche où on est en appui sur les coudes devant et en appui sur les pointes de pied derrière et où on est carrément droit parallèle au sol. La petite variante à ça, c'est de poser les genoux par terre. On vous le montrera à la fin de la séance prochaine, cet exercice, à la fin de la séance que vous verrez là. On vous le montrera pour que vous sachiez de quoi on parle. Mais c'est des exercices tout simples et ces exercices-là, il ne faut pas chercher à tenir très longtemps la position. Il faut tenir pour commencer 10 secondes, c'est déjà très bien. Vous prenez une dizaine de secondes de pause avant de refaire une deuxième fois et vous répétez ça 3, 4, voire 5 fois. 5 fois 10 secondes avec 10 secondes de pause entre chaque. Si vous voyez que c'est facile, vous augmentez le temps de travail, mais aussi le temps de repos. Vous faites 15 secondes de travail, 15 secondes de repos. Si tout va bien, vous essayez 20 ou 30 secondes, mais à chaque fois en mettant le même temps de repos pour que vos muscles aient le temps de récupérer et de refaire l'effort derrière. Voilà. Et n'oubliez pas qu'en complément de cet exercice-là, qui bien sûr n'est pas le seul à travailler les abdos, il faut absolument des exercices d'endurance dont on dit qu'ils doivent durer entre 30 minutes et 1 heure à une intensité modérée. Bien sûr, en ce moment, c'est plus compliqué, surtout quand on n'a pas d'appareil chez soi, mais dans l'idéal, il faut combiner ça avec une activité d'endurance. Voilà pour cette petite question sur le ventre plat. Daniel de Châlons-en-Champagne, donc dans la Marne, nous demande comment se servir des escaliers qu'elle a à la maison pour entretenir son cœur et son souffle. Elle nous demande comment faire. Bah, déjà, c'est une bonne initiative, hein. Utiliser ces escaliers, c'est vraiment, ça fait vraiment travailler beaucoup de groupes musculaires, notamment des membres inférieurs. Ce qu'on va chercher à faire, c'est au lieu de monter et descendre vraiment 10 fois de suite sans s'arrêter et être crevé à la fin, on va essayer de découper justement cet effort-là. Comment vous allez le découper? Par exemple, bah, vous vous dites, voilà, je vais déjà essayer de le monter 2 fois de suite. Je monte et je descends 2 fois de suite. Par contre, je prends une petite pause. La pause, elle va durer entre 30 secondes et 1 minute grand maximum. Déjà, vous allez voir que 30 secondes, 1 minute en pause, en récupération, sans rien faire, c'est déjà long. Puis ensuite, vous enchaînez encore une deuxième fois. Je monte, je descends 2 fois. Une autre pause de 30 secondes à 1 minute. Vous accélérez comme ça. Vous faites la même chose pour 10 montées. Donc, vous faites 5 répétitions. D'accord? Si vous trouvez que c'est trop facile, bah, c'est simple. Soit vous augmentez le nombre de répétitions, c'est-à-dire que là, bah, je me dis, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire 20 montées au lieu de 10. Donc, du coup, vous en faites davantage par série. Sinon, vous dites, bah, sinon, c'est déjà un petit peu trop difficile. Donc là, bah, soit vous diminuez le nombre de montées et de descentes, soit tout simplement, vous augmentez le temps de repos. Vous gardez le même nombre de répétitions, mais vous allez voir que si vous prenez plus d'une minute, jusqu'à 3 minutes, on va dire, jusqu'à 3 minutes de récupération, vous allez être capable de faire davantage d'efforts parce que le temps de récupération que vous allez donner, c'est pas uniquement pour vous et votre cœur, c'est surtout pour vos muscles. Donc vos muscles vont récupérer derrière et vous allez pouvoir étaler l'effort sur une plus longue durée, tout simplement. Il s'agit vraiment de vous écouter, c'est-à-dire que si vous êtes encore très essoufflé, même après la minute de récupération, comme Anthony vous a dit, c'est-à-dire qu'il est encore trop tôt pour reprendre. Donc vous attendez 30 secondes à 1 minute, ça, il n'y a que vous qui puissiez gérer. Le tout, c'est de ne pas enchaîner 10 montées d'affilée, comme Anthony vous l'a dit. Donc voilà pour cette question. On a Yves de Sorbonne dans les Ardennes, donc, qui nous demande, il a un vélo d'appartement chez lui, il en fait 30 minutes par jour, il nous demande si c'est suffisant pour entretenir sa forme. Alors c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le vélo fait partie des activités qu'on appelle d'endurance, de cardio, qui sollicite et qui renforce votre cœur. Et selon les études, c'est ce qui est préconisé, c'est de faire 30 minutes à 1 heure de ce type d'exercice-là, dont le vélo fait partie. Donc oui, en effet, ça peut être suffisant. Seulement, il faut que ça soit fait correctement. Quand on dit correctement, c'est le rythme qui va en dépendre. Quand vous faites votre vélo, si vous pédalez et qu'il n'y a aucune résistance, ça va vous sentir très facile. Et vous allez avoir la bouche fermée, pas essoufflée du tout, et vous allez très facilement réaliser les 30 minutes. Nous, ce qu'on veut vous expliquer par là, c'est qu'il faut que pendant la demi-heure, vous ressentiez quand même un essoufflement. C'est ce qui, en gros, témoigne que votre cœur est en train de travailler et que ce que vous faites sert à quelque chose. Le repère, pour vous qui êtes tout seul chez vous, c'est très difficile, on le sait au début. Il faut plusieurs séances pour trouver, on dit, sa zone d'entraînement, la zone dans laquelle les effets se mettent en place. Il faut que vous puissiez toujours tenir une conversation. Donc n'ayez pas peur de parler tout seul, c'est pas grave. On a un peu l'air bête, mais on est tout seul, c'est pas grave. Et le repère, c'est qu'il faut que vous puissiez aligner entre 7 et 8 mots d'affilée avant de reprendre votre souffle. Si vous ne pouvez pas faire ces 8 mots d'affilée, ça veut dire que il y a trop de résistance ou vous pédalez trop vite, mais il faut diminuer un petit peu la cadence. Si au contraire, vous pouvez faire une phrase de 20 mots comme je suis en train de la faire là et que vous n'êtes pas du tout essoufflé, bah, ça veut dire qu'il faut accélérer un petit peu. Il faut augmenter un petit peu l'intensité. Et en effet, 30 minutes par jour peuvent suffire puisque les recommandations sont de 30 minutes à 1 heure. Mais encore une fois, tout dépend de la façon dont est relatif, ça, ouais. Exactement. Et pour être parfait, il faut combiner ça à un petit peu de renforcement musculaire, ce qu'on appelle aussi de la gym, typiquement les séances qu'on vous propose en partenariat avec Été Indien. Ça, ce sera le top, hein, vraiment, si vous faites ça, c'est très bien. Et on termine avec une question qui nous vient des Vosges, de Saint-Dié. C'est Brigitte qui nous en parle et qui nous dit qu'elle a du mal à respirer quand elle fait du sport. Elle demande quels conseils on peut lui apporter pour bien respirer pendant ses exercices. Bah, la respiration, c'est comme tout, hein, ça s'apprend, donc il y a plusieurs raisons possibles à cela. Comme on le disait dans la question précédente, il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment adapter l'effort à son corps. Donc si vous sentez que déjà vous êtes trop essoufflé, c'est peut-être que simplement l'effort est déjà trop intense pour vous. Donc si l'effort est trop intense, vous allez chercher à diminuer l'intensité, la vitesse à laquelle vous le faites, peut-être le temps que vous le faites. Donc vraiment essayez de jouer sur ces paramètres-là. Et si vraiment c'est encore trop difficile, essayez de vous orienter vers une autre activité qui sollicitera peut-être un petit peu moins au niveau cardiovasculaire votre corps. Sinon, pour pouvoir progresser dans le temps et s'améliorer, en fait, l'idée qu'on va vous donner, nous, c'est toujours de pouvoir souffler à l'effort et d'inspirer quand vous relâchez. Donc, par exemple, quand vous allez devoir pousser quelque chose avec des haltères, ou par exemple tirer avec des haltères, on va vous demander de souffler en montant et inspirer en redescendant. Je souffle en montant et j'inspire en redescendant, tout simplement. L'idée, c'est voilà, toujours ça, souffler à l'effort, inspirer au relâchement. Ok ? Voilà, sinon après, si vous sentez vraiment que l'essoufflement arrive vraiment très vite, quoi que vous fassiez, même si vous n'êtes pas en activité physique, là, il faut quand même aller voir un médecin parce que derrière, ça peut être quelque chose d'anormal. Et n'hésitez pas à consulter quand même votre médecin au cas où. Mais là, on parle vraiment dans ces cas-là de personnes qui sont dans le canapé, qui sont essoufflées, tout simplement avec une petite marche sur 10, 50, voire 50 mètres déjà. Si vous êtes essoufflé là, soit vous avez besoin d'un petit peu de rentraînement et là, il faut aller voir le médecin, il va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Ou sinon, il y aura peut-être d'autres examens à faire pour votre santé surtout. Hein. Faites vraiment attention à ça. Voilà pour les questions qu'on avait à répondre auxquelles on avait à répondre aujourd'hui, qui ont été posées à notre partenaire Été Indien. Donc pour la suite de la séance, on va juste nous se mettre en place et vous sachez que vous n'aurez besoin d'aucun matériel en particulier. Encore une fois, on est confiné, donc on sait que vous n'avez pas tous des haltères, un gros ballon, voilà. Donc on va vous proposer quelque chose de simple, un petit circuit sur 10 minutes. Donc voilà, on vous laisse vous mettre en place, prendre de quoi boire un petit coup. Et puis on est parti. À tout de suite. Donc on voulait vous apporter quelques précisions par rapport aux réponses qu'on vous a données dans les questions. Là on va reprendre tout d'abord les étirements et puis après la question sur le ventre plat, les exercices à faire. Avant ça, on voulait aussi bien vous donner les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui dit bien que toutes les personnes qui sont susceptibles d'être infectées par le Covid ou qui sont infectées par le Covid, évitez vraiment de faire une activité physique. C'est pas du tout bénéfique pour le coup. Donc pour ces personnes-là, on met tout en stand-by. On va donc revenir avec Thibault sur les étirements dans un premier temps. Donc Anthony va vous montrer et moi je vais essayer de vous décrire au mieux les positions. Pour revenir sur les personnes qui auraient été infectées par le Covid ou qui le seraient actuellement, c'est exactement la même chose quand on a de la fièvre, hein. Ne pas pratiquer une activité physique en cas de fièvre, ça c'est valable toujours, pendant et en dehors du Covid. Donc là, pour revenir sur la question de Christian de Bruxelles qui demandait quels étirements il pouvait faire sans danger, ben voilà, on va lui montrer juste 2-3 postures en quelques secondes. Donc là, c'est la posture sur laquelle on assistait tout à l'heure qui étire toute la chaîne postérieure du bas du dos jusqu'au mollet en passant par l'arrière des cuisses. Donc on respire tranquillement, on tient une vingtaine de secondes le temps que l'étirement fasse effet, on remonte doucement. Et vous pouvez enchaîner ça entre 3 et 5 fois, c'est absolument pas nocif, au contraire, ça assouplit et il faut en faire pour que ça soit efficace. Le deuxième, c'est l'étirement des mollets, donc celui que vous connaissez certainement, la jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue, le genou complètement tendu, le pied arrière bien à plat au sol et on va venir forcer sur le talon arrière dans le sol pour étirer le mollet et on sent donc l'étirement dans le mollet, le reste du corps bien droit. Et on maintient exactement comme tout à l'heure en respirant calmement une vingtaine de secondes avant de changer de jambe et de répéter 2 à 3 fois par jambe. Le troisième étirement, c'est celui de l'avant de la cuisse, le quadriceps. Donc on attrape un pied au niveau du coup de pied. Pour ceux qui ont des douleurs au genou, des prothèses de genoux, vous pouvez l'oublier celui-ci parce que vous ne pourrez pas le réaliser. Il faut que ça soit quand même plus bénéfique que, que nocif. Donc on met les deux genoux au même niveau, on se tient bien droit et là normalement ça va tirer sur l'avant de la cuisse. Même principe, 1 seconde, 2, 3, 4 fois par jambe, comme vous le voulez. Donc ça c'était pour la question de Christian qui demandait quel type d'étirement il pouvait faire. Il y en a d'autres, y compris pour le haut du corps, que vous pouvez aussi retrouver sur internet et le site d'Été Indien. Et puis voilà. Et pour revenir sur la question de Colette de Bourgoin-Jailleux qui nous demandait quel exercice elle pouvait réaliser pour garder un ventre plat, on va vous montrer celui qui pour nous est le plus efficace et le plus sécuritaire. Donc on pose les deux genoux au sol, les deux pieds au sol, ou alors on croise les deux pieds un sur l'autre en l'air comme Anthony est en train de faire. On est en appui sur les avant-bras, les coudes juste sous les épaules et on maintient cette position abdos contractés, le dos bien droit en regardant le tapis pour pas se faire mal au cervical. Surtout on respire continuellement pendant la réalisation de l'exercice. Vous ne faites surtout pas d'apnée. On commence une dizaine de secondes, on prend une dizaine de secondes de pause et on répète ça 4 à 6 fois. Une fois que ça va mieux, on pousse un petit peu à 12 secondes, voire 15, en prenant toujours le même temps de repos, identique au temps de travail. Et puis peut-être que par la suite, on arrivera à faire 30 secondes de travail, 30 secondes de repos sur 6 répétitions. Donc ça, c'était l'exercice de gainage et la formule un petit peu plus compliquée. C'est jambes tendues, on appuie sur les pointes de pied. Et là, le dos, il est parfaitement droit, tout est bien aligné. Et vous êtes en sécurité et on sent la contraction au niveau des abdos et des lombaires. Voilà pour cet exercice-là, pour répondre à la question de Colette de Bourgoin-Jailleux. Et puis maintenant, on va enchaîner sur la séance. 10 minutes, pas plus, que vous répéterez, que vous pouvez répéter du moins 3 à 4 fois dans la journée, à n'importe quel moment. Vous pouvez faire une fois le matin, une fois en fin de matinée, une fois en fin de journée. Vous pouvez faire... vous répartissez comme vous voulez. Le tout, c'est de fractionner un petit peu la pratique sur la journée. Et on commence avec le premier exercice. Donc pour le premier exercice, on va vous demander d'écarter les pieds et largeur des épaules un petit peu. Et là, on va venir monter sur la pointe des pieds le plus haut possible. On peut venir accompagner le mouvement avec les bras. Donc là, on va aller chercher le plus haut possible. Pour ceux qui ont mal aux épaules, on évite d'aller au-delà des épaules, comme je fais là, vous voyez là. On s'arrête au niveau des épaules et on descend. Et toujours essayer bien de se grandir, bien rester droit, le regard devant. Et vous adaptez le rythme à vos capacités. Donc ceux pour qui ça va, on accélère un petit peu. Ceux qui sont un petit peu plus dans le dur, on ralentit un peu. Vous gérez le rythme. Le tout, c'est d'essayer de tenir sur la même durée que nous. Si vraiment c'est trop dur, bien sûr, vous stoppez avant. Allez, donc là, il n'y a pas d'échauffement en tant que tel. On commence, certes c'est progressif, mais il n'y a pas d'échauffement proprement dit qui va durer 5-6 minutes parce qu'on veut quelque chose qui soit efficace et pas trop long. Donc là, les mollets chauffent un petit peu, les épaules sont réveillées et on va s'attaquer aux cuisses et au fameux exercice qui s'appelle la chaise. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un seul outil, un mur. Donc pour le mur, là, on va venir coller vraiment le dos contre le mur. On va fléchir les jambes. Alors normalement la chaise est à 90 degrés, là on va essayer d'adapter en fléchissant à 45 degrés les genoux. On va venir descendre tout simplement et tenir la position pendant 15 secondes. Ceux qui sont un petit peu plus actifs ou en forme, on prend comme on veut, on descend un petit peu et on peut approcher aux 90 degrés, mais chacun comme il peut. Si là on ne tient pas, vous n'y allez pas. On essaye déjà d'y aller, comme disait Anthony, 45 degrés et on maintient cette posture 15 secondes. Donc là, vu qu'on a parlé un peu, on va tenir encore 5, 4, 3, 2, 1. On se remet debout. Donc dans l'idéal, mettez une petite chaise à côté, sauf si vraiment vous arrivez à vous relever comme ça. Sinon, vous prenez un appui pour vous relever. Et là, on enchaîne avec les montées de genoux. Donc là, avec les montées de genoux, une fois à droite, une fois à gauche. Et avec les bras. Donc le bras droit monte en même temps que la jambe gauche. Et on croise bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Allez, on accélère un petit peu, on essaye de ne pas couper la respiration. Le dos droit, on monte bien le genou à hauteur de hanche. S'il y a des prothèses de hanche ou des articulations un peu capricieuses, on monte un petit peu moins haut, c'est pas grave. Le rythme reste le même. On va essayer de donner un petit peu de coordination à ça. On va venir faire 2 appuis à gauche, 2 appuis à droite. Toujours en rythme, hein, d'accord ? Allez, tout de suite, je repose, je remonte. Allez, coordonnées bras et jambes. 3, 2, 1. Et on relâche. On va reprendre à la suite de cet exercice-là, l'exercice de la chaise. Et on se remet directement en position. Donc je rappelle bien le dos bien contre le mur. On descend tout simplement. Voilà, en assise, les genoux à 45 degrés ou à 90 degrés comme Thibault. Et on tient 15 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, et on essaye de ne pas dépasser les pointes de pied avec 5, les genoux. C'est le repère qu'il faut que vous ayez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On se remet debout. On enchaîne aussitôt avec le talon-fesse. Donc pour le talon-fesse, pareil, on écarte les pieds largeur des épaules, on vient mettre les mains derrière les fesses, et on vient taper comme ceci. De la droite, de la gauche, toujours pareil. On vient retoucher le sol avec la pointe du pied et on transfère le poids du corps à chaque fois sur la jambe d'appui. On souffle en pliant le genou, on inspire en redescendant, essayez de trouver votre rythme de respiration. Et on garde le dos bien droit. Le rythme, vous gérez. Si c'est un petit peu dur au niveau du souffle, on n'accélère pas. Si ça va, on monte un petit peu le rythme et on laisse les bras tranquilles sur celui-ci. Allez, encore 3 à gauche. 2. 1. Et on relâche. On souffle tranquillement. On reprend encore une fois la chaise. Dernière. Allez, courage. On vient bien coller son dos contre le mur, on descend bien sur les genoux. Si on peut ne pas se servir des bras, on les laisse tomber sur le côté. Le dos bien à plat contre le mur. Et on est parti pour 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 et 15, on repart. Allez, on se relève. On met les bras le long du corps et là on va faire une fente en venant tac, mettre les deux mains devant sur la descente et on revient bras tendus. Allez, que à droite. Allez, on inspire en descendant, on souffle en remontant. On fléchit bien sur la jambe droite. Dans le même principe, ceux qui ont mal au genou, là, on évite de descendre trop bas. On peut faire, je ne veux pas écarter comme ceci, mais voilà. On va venir essayer de moins descendre, vous voyez. Si je peux plus descendre, je descends plus, mais là, voilà. On adapte vraiment à son ressenti. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. On prépare pour aller à gauche. Voilà, on enchaîne avec la deuxième jambe. Donc c'est le même principe. Allez, tout qu'on fléchit, jambe gauche. 2, 3, allez, dos droit, on regarde droit devant. 4, 5, 6, allez, soufflez, hein. 7, en remontant. 8, 9, 10, 11, 12, 13, deux derniers, 14 et 15, on relâche. Si vous voulez boire un petit coup, c'est maintenant, vous avez une quinzaine de secondes de repos. Et on enchaîne avec le haut du corps. On peut se mettre un peu plus près parce qu'on ne va pas monter les bras. Allez, les bras à l'horizontale. Et tout petit rond pour recommencer, 20 secondes, pas plus. Donc on fait des tout petits ronds. S'il y en a qui ont des douleurs, comme d'habitude, on baisse un petit peu. Si vraiment c'est trop douloureux, même sur le côté, on va devant. On fait des tout petits ronds devant. Vous essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux si vous avez des douleurs. 3, 2, 1, on garde les bras à l'horizontale et on croise devant. Donc soit sur une petite amplitude, soit vous prenez bien votre temps et vous inspirez sur l'ouverture, expiration sur la fermeture. Et ceux qui veulent mettre un peu plus de rythme, on va plus vite. N'oubliez pas de souffler pendant tous ces exercices-là. Allez, 10 secondes. Allez. Le dos bien droit, légère flexion des genoux. Je rappelle pour ceux qui sont un peu plus dans le dur, doucement. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On va chercher un mur. Donc on va mettre les deux mains sur un mur. Si vous avez un meuble haut, vous pouvez faire sur un meuble haut, comme vous le sentez. Mais dans l'idéal, on va faire au mur, les deux mains à plat sur le mur. On recule les pieds de façon à être relativement comme nous sur les images, un petit peu en diagonale. Plus vous êtes loin, plus ça va être dur au niveau des bras. Donc si c'est plus dur, on se rapproche du mur, c'est vous qui gérez. Et on va venir approcher la tête du mur en pliant les coudes. Tac. Et on revient. Les jambes, on ne fait rien du tout. 2. On souffle en remontant. 3. 4. 5. 6. Donc les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. Et on reprend l'exercice précédent. Qui était... Ah, on s'en souvient plus, hein. Donc on reprend bras tendu comme ceci. Allez, petit rond rapide. Petit rond. C'est la dernière minute. On respire profondément. Prenez une grande inspire par la bouche. On respire que par la bouche. Là, on est un petit peu essoufflé, donc il faut prendre un max d'oxygène. Allez, les épaules, ça travaille bien. Allez, là, c'est normal. On change de sens, on change de sens, on change de sens. Encore un petit peu. Moins de 10 secondes. Allez, allez, on tient. 6, 5, 3, 2, 1 et on croise devant. Soit très grand doucement, soit rapide un petit peu plus petit, comme vous voulez. Allez, devant, au-dessus, en dessous. Les coudes sont absolument complètement tendus. Si on a trop mal aux épaules, on descend tout simplement un petit peu vers le bas là et on enchaîne en bas. Pareil. Allez, rapide, rapide, chacun à son rythme, mais vous essayez d'être un petit peu rapide que ça sollicite. On reprend très grand, 3-4 fois pour relâcher un petit peu, pas trop vite. Et on relâche, et on va vite rechercher le mur pour les 10 dernières pompes. Allez, courage! Allez! Donc sur les pointes de pied dans l'idéal, si c'est déjà dur, vous rapprochez un peu, vous mettez à plat, mais sur les pointes de pied si ça va, et on est parti. Allez, 1, on souffle en montant, on inspire en descendant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, pas plus. On relâche, et là voilà, c'est court, un petit peu intense, chacun doit adapter le rythme que vous mettez dans vos séances, et puis comme ça vous pouvez la réaliser 3 à 4 fois dans la journée, pour fractionner un petit peu votre temps de pratique. Donc voilà, pour cette vidéo auquel on a répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas si vous en avez encore à les reposer sur la page Facebook d'Été Indien, sur le site d'Été Indien, et puis on espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt tous. À très bientôt.